Donc Forest Finance est un groupe qui existe depuis une vingtaine d'années déjà, qui a planté plus de 10 millions d'arbres, principalement en Amérique du Sud. La volonté de Forest Finance, c'est de lutter durablement contre la déforestation, et ce à travers un moyen assez innovant, c'est d'utiliser l'épargne des particuliers et des institutionnels pour nous aider à aller localement replanter des forêts sur des terres qui ont été meurtries par la déforestation, par l'élevage intensif, de manière à laisser derrière nous des forêts mixtes, durables, qui s'inscrivent donc dans le temps, tout en permettant aux investisseurs de récupérer derrière des rendements suite à leur investissement. Sur des durées donc, qui vont entre 12 et 25 ans, dans l'objectif de laisser une forêt mixte en place, et également de créer un tissu social local avec les populations, lui aussi qui s'inscrivent dans la durée, puisqu'on ne peut pas avoir de forêt durable sans derrière un véritable impact social localement. Notre relation avec la Fondation Nicolas Hulot et avec Cécile et ses équipes remonte à 2 ans déjà. Nous avons, par l'intermédiaire du président de Forest Finance France, donc Richard Fauken, rencontré Cécile, qui a été séduite par notre projet. Pour se rendre compte elle-même des avancées et de la réalité de ce que nous offrons, elle est venue nous rencontrer dans nos plantations au Panama. Et de là est née la volonté mutuelle et réciproque de créer un vrai partenariat entre la Fondation Nicolas Hulot et Forest Finance.